Moi, Minga, écoute un peu ça. Gabriel Nandip, tu es considéré comme sa femme, du moins, c'est l'info que vous avez rendue. Mm-hmm. Est-ce que tu assumes cette relation? Avez-vous une relation amoureuse? Est-ce qu'il y a une relation hors de Facebook, Twitter, oui. WhatsApp, machin. Êtes-vous en couple, pour parler trivialement? Nous sommes en couple. Jésus! Facilement dit comme ça. Mais ouais, parce que c'est quelque chose qui est réel, donc... Quoi? Mais ouais, parce que c'est quelque chose qui est réel. Yeah. Sa tête ne... Vraiment, je suis étonné. Et tu fais quoi, Yandé? En fait, on ne mélange pas le travail et le sentiment. Et ferme ta sale bouche. Tu as écouté? Écoute encore ceci. Aujourd'hui, là, je vais commencer d'abord mon direct par cette histoire un peu qui me tracasse un peu de partout. Mm-hmm. Qui me met un peu mal à l'aise. Que la relation avec Kabwe Nandjib est montée et descendue. Mm-hmm. La relation avec Kabwe Nandjib montée et descendue là. Je sais pas par où commencer, mais je vais d'abord vous dire un truc. Mm-hmm. Nous sommes les femmes, surtout moi. Vous-même là, vous toutes les femmes qui êtes devant vos téléphones là. Mm-hmm. Si déjà aujourd'hui, ça fait 3, 4, 5 jours, je ne suis pas stable. C'est parce que à un moment, émotionnellement, sentimentalement, je ne suis plus stable. Hey! C'est-à-dire? Et laissez-moi vous dire qu'une femme qui n'est pas stable sentimentalement, une femme qui n'est pas rassasiée émotionnellement, qui n'a pas un amour propre de son homme à côté, ne peut pas s'en sortir. Peu importe. Mais dis que même les femmes en tenue, les députés que vous voyez là, toutes ces femmes-là ont besoin de ça. Ah, là, tu pleures parce que tu as mal sentimentalement. Je m'interroge. Les hommes maintenant, dès qu'un homme va te prendre, il va dire, oh, je vais te faire ceci, machin, cela. Après quelques minutes, tout ça disparaît. Dès qu'il réussit à te mettre sur son lit, tout ça disparaît. Maminga, on appelle ça la force des archives. Donc hier, tu étais la copine de Kabwe Nandjib. Aujourd'hui, Kabwe Nandjib, c'est le buzz. C'est ça? Livou, la sorcellerie n'a pas la honte. Ma petite, j'ai comme impression que ta part là, c'est les comprimés que tu prends. Parce que il faut que tu t'habitues à l'autre qu'on enroule comme ça avant de tirer. Parce que l'autre est quand même moins fort par rapport au comprimé. Parce qu'on enroule là. Quand tu prends ça, tu dors, tu te reposes, tu te réveilles dans les bonnes conditions. Les comprimés là, c'est ça que tu as pris pour aller à la CIA TV. Donc comme ça, tu pars à la CIA TV. Dire que Kabwe Nandjib est quoi? Un bangaladesman. N'est rien dans ta vie. N'était même d'abord rien. C'était le buzz. Est-ce que tu as pensé quand tu passes aussi sur Canal 2 International? Parce que Canal 2 aussi est international, comme la CIA TV international. Hein? Tu viens toi d'un monde de vision. La jeunesse d'aujourd'hui là, qu'est-ce qui vous arrive même? On ne vous comprend plus. Hein? C'est-à-dire, quelqu'un qui t'a tout donné. Pourquoi tu n'as pas continué le buzz? Bon, supposons que c'était le buzz. Est-ce que tu étais obligé de l'afficher comme ça? Voici d'abord où ça a commencé. Aujourd'hui, tout... L'internet se verse sur notre frère Minsk. Oh, tu as répondu mal, tu as insulté tes noms, tu as fait ceci. Toi, à la place de Minsk, tu aurais pu faire quoi? Vous êtes nos aînés de loin. Alors apprenez-nous, montrez-nous le bon chemin. C'est-à-dire? Toi-même, on a dit que tu as vendu ton enfant. Imagine que quelqu'un vient dire ça. Tu as pleuré sur les réseaux sociaux, sur Equinox, qu'on a dit que tu as vendu ton enfant. Tu as pleuré. Gabriel, tenez. Tenez, Gabriel. C'est dur, hein, tenez. Gabriel. Tenez. Tu vas lire ton nom, mon frère. On ne pleure pas. Déjà, est-ce que moi, j'ai déjà vendu quelqu'un pour être... Ça ne se dit pas. Je ne suis pas contente de toi. Que ce soit de Minsk, que ce soit de toi, que ce soit de vous, qu'internautes. Tu clashes, Kabwe Nandjib. Vraiment, c'est malheureux. Dieu, les familles. Ah, quand j'ai parlé aux gens ici dernièrement lors d'une vidéo que... Les gars... Quand tu veux faire du bien pour une femme, considère que c'est un don que tu peux faire à l'orphelinat. Ça, c'est clair. Les gens ont dit que Franco, tu bavardes trop. Vous voyez, non? Vous entendez, non? Est-ce que vous voyez? Vraiment, on est ça nous met notre cœur mal au cœur. Que Kabwe Nandjib, ouais, le gars si même, pourquoi tu souffres comme ça? Point d'interrogation. L'autre reste là-bas au Nigeria, que oh, tu tournes les reins. L'autre reste là-bas à Douala, que oh, tu as volé mon son. L'autre à Yaoundé, oh, c'était le buzz. Pourtant, on ne pleure pas.
Ils ont tellement fait ça, tu allais pleurer à la télé. D'autres racontaient aussi de partout que tu as tué ton enfant. Waouh, mon type. Waouh. On ne sait pas où, si, où on a dit qui. On a parlé avec qui. Je ne sais pas. Pourquoi tu souffres même dans leurs bras comme ça? Les gens, ils sont comme ça. Soit ils veulent vous humilier, soit ils veulent vous salir, soit ils veulent détruire votre crédibilité. Parce qu'il faut reconnaître aussi le bienfait. Parce que vous êtes seulement là que oh, 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 oh. Tu as dit toi-même que tu servais le piment dans les bars. Vous pensez qu'une fille qui vend la bière, qui livre, qui sert la boisson, là, c'est le piment. Toi-même, tu as dit que... Est-ce que tu as vu tes photos quand tu servais le piment dans les bars et tes photos d'aujourd'hui? Tu ne vois pas que tu déranges, j'ai un peu de trou. Je dérange comment on te moire de malaise ici. Bon, non, toute ta vie, c'est soit ce sont pas les petites filles du quartier, les filles qui sont sales comme l'escargot de la nuit là. Je ne sais même pas à quoi tu ressembles. Comme tu as vu à quoi tu ressembles. On d'abord à B et me manger un fourlou fou. Ou à quoi j'en viens ensemble. Mais au camp, et bien, moi, tu ne me connais même pas. Ma chance comme ça, elle est sur le thé. Elle est une tienne dans ma vie. C'est que Cabral Nadjib est venu t'enlever dans ton trou à rat. Te nettoyer. Te laver. Comme tu parlais là où c'est à Col Dongo, où c'est à Colmain Seine, où c'est où là. Quelques petits enfants du lycée sautent sur toi. Hé, tu es à star. Waouh, juste là, tu viens clasher Cabral Nadjib. C'est souillant, hein. Hey, jeunesse camerounaise, au bosso. Avec tous les problèmes qu'on a au quotidien là. Sérieux, hein? Non. Tout je comprends que même le président de ce pays travaille. Celui qui est fort vient à Yaoundé. Ce n'est pas le bababab. À cette allure que je vois des choses aussi comme ça là. Là, ce n'est plus de buzz. Hein. Franchement, parfois on dit qu'on ne met pas les organes, mais il y a les choses qu'il faut mettre vraiment les organes, les gars. Comment tu peux aller à la télé, mon frère? Tout le monde entier te regarde. Tu as fait ça, Cabral, de tu as pleuré. Gérez aussi. Ne venez pas nous saturer en ligne en pleurant. On ne veut pas vous pleurer. Pourtant, c'est interdit de pleurer. Le gars, les pleurer, qui n'ont pas. Ils ont dit que j'ai tué mon enfant. Pourtant, c'est interdit de pleurer. On ne pleure pas. On ne veut pas vous pleurer. Parce que quand ça marche, vous ne mangez pas avec nous. Mais oui, c'est clair. Avec tout ce qu'il a, ben, il faut reconnaître aussi. Hein. Même si tout est l'erreur, même s'il fait ceci, même s'il fait ça. Reconnaissez au moins que ce gars-là fait beaucoup pour la culture camerounaise. Dans ce pays, mon frère. C'est vrai. Et je t'avais dit, Cabral. Oh, c'est Cabral. Tu bavardes. Tout ça, c'est ta bouche. Oh, j'ai positionné celui-ci là-bas. Oh, j'ai mis celui-ci là-bas. Oh, j'ai... Tu vois les retombées? Imaginez un peu. C'est ça qu'on appelle les retombées. Tu as positionné celui-ci, tu as positionné celle-là. Voilà comment on vient te récompenser, te remercier. Voilà, t'as pas de récompense. Oh, c'est pitié incroyable. La pub. Aïe, 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 folie. Aïe, aïe, aïe. Pause publicitaire. Voilà, avant de continuer, je voulais vous rappeler rapidement que le complexe Las Vegas, Amissa, Sipon et Madaria, Amouba, vient de changer le décor de ces salles de fête. Désormais, ces deux salles purement climatisées VIP. Un motel doté de 10 chambres classiques et 10 chambres VIP. Donc, si vous voulez célébrer votre événement tel que mariage, baptême, anniversaire, conférence et autres, contactez rapidement le complexe Las Vegas. L'avantage avec le complexe Las Vegas, c'est qu'il met à votre disposition tous les appareils de sonorisation avec Didier. Deux salles purement climatisées avec décoration, chaises royales. Le complexe Las Vegas, c'est également la restauration, l'hébergement, un snack bar VIP également. Salut! Ok. Et tout ce que je faisais avec Cabral Nadjib, c'était le buzz. Donc les photos que nous on voit, les bisous, les sissis, là, c'était le buzz. Hein. Oui. Tu peux même confirmer. Tu fais même tout un direct pour pleurer. Pourtant, c'est interdit de pleurer. Tu fais un direct pour pleurer que, oh, je ne suis pas stable sentimentalement. Vous pouvez comprendre ce qui m'arrive. Aujourd'hui, tu dis quoi? Même pour parler, je suis dépassé. Équilibre. Tu es, vous êtes au nombre de combien dans ta tête là? Vous êtes au nombre de combien, moi, Minga? Sa tête? Ne... Tu marches souvent avec tes oncles, les grands-mères, arrière-grands-mères et tes cousins dans la tête. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas clasher l'enfant d'autrui? Tu le mets? Lui-même, il a Wanda que, hey, l'enfant que j'ai enlevé dans la boule, lavé, rincé. Je ne pense même pas que les Muriens blanches là,
les Coco Emile Ala, les Nathalie quoi. Parce qu'on veut parler des filles populaires. On voit c'est les filles qui arrivent là-bas aux États-Unis. Il y a tremblement de terre. Tout le monde fait brrr. Mais comme toi, tu passes déjà à Kondongo. Quelques petits gars du lycée. Comprends déjà que tu es star. Jusqu'à ce que tu viennes clasher Kabwa Nandji. Ma fille, on ne fait pas ça. Vous comprenez? Les gars, on ne fait pas ça. Apprenez à reconnaître le bien fait, le bien que quelqu'un vous a fait. C'est pas parce qu'aujourd'hui là, tu es un peu quelque part. S'il y a eu les gens qui ont eu la visibilité plus que toi, qui ont brillé plus que toi, sont dans le noir aujourd'hui. En vrai? Méfions-nous. Moi, je dis, méfions-nous. Ils ont fallu même tuer. Méfions-nous. Aujourd'hui, on a qu'à voir certains petits qui sont en train de lire. Ils sont dans le noir. Pourtant, hier, ils étaient sous le soleil, la lumière. Dès qu'ils levaient seulement la main comme ça, boum, c'était le tremblement, c'était le séisme. Ou c'est... Aujourd'hui, ils lèvent même le pied, tout le corps. Personne n'est au courant. Je suis chez moi, il est pour me dans mon atelier. Ne prenez plus les comprimés. Apprenez déjà à l'autre qu'on enroule là, non? Ce qu'on enroule là, comment on appelle ça? Pardon, mettez le nom de ça en commentaire. On appelle ça comment là? Ce qu'on enroule là avant de... Parce que là-bas, au moins, c'est doux. Mais, moi, Minga, même si tu prends l'autre là, sèche, hein? Parce que si tu prends ce qui est mouillé, hein? La prochaine sortie où ça sera sur quelle chaîne, ça sera encore la catastrophe. Mes amis, c'est que... Non, le pays ici, c'est un pays de buzz. Je sais pas si il y a deux pays au monde comme mon pays. C'est pour ça que je suis fier d'être Camerounais. Non! C'est-à-dire que quand tu n'es Camerounais, tu es béni. Le pays est bon, il parle de quoi là? Oui, c'est une grâce. Donc, parce que quand tu n'es Camerounais déjà, gars, c'est une fierté. C'est une bénédiction. Si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Un pays toujours en mouvement. J'ai dit que... Mais, mon frère, hey. Toujours en mouvement. Au pays, on ne dort pas. Quand l'autre buzz meurt, l'autre sort. L'autre meurt, l'autre... C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. De toute façon, les gars, bombardez les buzz. Nous, on va venir parler et vous allez mettre les organes. Nous, on s'en fout des gens qui mettent les organes. Hein. Quand tu vas mettre les organes... Oh, Franco est jaloux, Franco. Le buzz là, ça attrape tout le monde, il n'y a pas question de jalousie. Aujourd'hui, c'est moi, Minga, que j'attrape. Dites aussi que je suis jaloux de moi, Minga. C'est bien quand même comme, je ne suis plus jaloux de Steve Fa, je ne suis plus jaloux de Kaba Nanjib, je ne suis plus jaloux de... Ah, maintenant, je suis plutôt jaloux de Papa Soleil, je suis jaloux de Muriel Blanche. Il va finir par être jaloux du président Paul Biya. Vous comprenez, non? Et même que jaloux de tout le monde au Cameroun. Arrêtez de juger les gens à tort et à travers. Continuez à manquer du respect à ceux qui vous aident. Un jour, on va vous voir marcher au carrefour en train de citer les... Pas Popol, pas Camto, pas Cabral. Seul, hein? Continuez. Quoi? Vous allez me voir avec les yeux. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien. Je maîtrise. Continuez. Non, on est là. On vous observe seulement. Les Camerounais, que Dieu vous garde. S'abonnez-vous. C'est tous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.